Je dis film non connu. Salut les amis. RG Magin original. Bon, on fait la vaisselle avec Sophonie. Vous voulez que je puisse vous faire un petit tuto vaisselle? Alors, pour faire la vaisselle, faut mettre. On a ça, c'est dans nos gammes. Et après, on a Sophonie qui fait la vaisselle. Tu fais quoi après? Et après, il est là. Son gros bonnet là. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment c'est un bonnet? Il va gâcher ma vidéo. Vous pliez comme ça. On s'en fout. Tu plies. Et and after. Tu le places mais tu le mets pas dans la tête. En fait ça doit. Profil. Nous sommes dans les coulisses, nous allons commencer bientôt les répétitions, donc on est un peu en retard parce qu'on a voulu manger, se restaurer avant, surtout qu'on a eu deux cultes avant ça, c'est pas facile, on est quand même humain, on reste humain, on a faim, on a dû se restaurer avant et on a bien mangé, madé, poisson, etc, etc, chikwang, on a bien mangé, on a bien bu, voilà, toujours les foutaises de troubles. Et voilà, du coup là on va aller faire les balances pour répéter pour Kinshasa. À l'église pendant les annonces. Tu vas souvent faire ça. Stark et Vanny. Je lève Jésus. Oui, j'élève Jésus, comment tu vas? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est déjà à l'aéroport Charles de Gaulle. Et pour notre voyage à Kinshasa, on vous invite, venez nombreux. Le Seigneur va vous bénir. Entre kilo et kilo. Nous assistons à un transfert de kilos. Quelque chose se passe d'inapproprié. Je sais pas ta vie, t'as pas pu les vivre. Je sais pour moi. Alors, faut...
savoir que mon très cher frère ici, Hervé, a acheté deux cadenas. Déjà, je vous explique un peu hein, le contexte. On a une valise en cabine et une valise de soute. L'homme ici présent a acheté deux cadenas. Logiquement, il emmène sous sa valise qui va en soute. C'est normal. C'est ce qui est logique. Ça, c'est logique. Mais l'erreur, il en met une sur son bagage à main. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi parce mettre un cadenas sur le bagage à main? On arrive au Congo, généralement, et ils ouvrent les valises, même s'ils sont en haut. Mais dites-moi un peu, ils ouvrent les valises, mais la valise, c'est toi qui l'as? Ouais, mais quand on dort en haut, enfin quand on dort en bas, là. Oh, attendez, faut m'expliquer quelque chose. Une personne qui met un cadenas sur une valise cabine qui reste avec toi. C'est comme si moi, j'ai ma sacoche, je mets un cadenas. Et du coup, parce que là, il s'en mêle un peu les pinceaux. Pour raconter la suite de la story, alors on arrive juste avant d'embarquer, tout ça, on attend un peu parce que le vol, il avait du retard, blablabla. Bon, je vous passe les détails. On est là, ici, tranquillement, et je vois quelqu'un qui se démène avec sa valise. Il essaye d'ouvrir. Maintenant, je me dis, bah attends, c'est sa valise, c'est pas sa valise. Je pose la question, c'est à lui, c'est pas à lui. On va le voir, comme ça, tranquille. Je lui ai dit, j'ai oublié mon code. Franchement, je suis en train de perdre espoir. Quelques heures avant, enfin quelques minutes du coup avant d'embarquer, en tant que bon chanteur, bon musicien, nous voyons un piano posé là comme ça quelque part et il y a Mike qui va là-bas, il se retrouve tout seul en train de jouer, on l'entend jouer et d'un coup, enfin on s'est même pas concerté, on est tous partis le rejoindre et de là on a commencé à chanter. Deuxième fois que je prends l'avion, en fait la première fois j'avais 7 ans donc j'ai plus aucun souvenir, mais waouh, en fait c'est impressionnant le décollage et l'atterrissage. J'étais à côté de mon mari et pendant le décollage j'ai tiré fort la main, d'un coup l'avion commence à atterrir, je me suis mise comme ça. D'arriver à Kinshasa. On sort de l'avion, on sort tout juste de l'avion. Pour moi, pour ma part, c'est ma première fois de mettre mon pied au Congo, d'autant plus que je ne suis pas congolaise, donc j'étais vraiment pressée d'arriver. Quand on est sorti de l'avion, c'est vrai que la première chose qui m'a frappée, c'était la chaleur, parce qu'on est passé du froid au chaud, vu qu'il y avait la clim dans l'avion. Quand tu descends de l'avion, c'est la chaleur qui te gifle directement. Et même l'odeur change. Franchement, c'est tout qui change. L'odeur, la chaleur, tu ressens directement que tu as changé de pays. Dans les restaurants DFC. Oh, DFC, ça donne. Oui, ça donne quoi? Yeah.
route en direction de l'église Parole Salut Gombe. Mais sur la route, du coup, moi, j'étais côté fenêtre, je regardais tout ce qui se passait, je regardais, j'étais comme ça, j'étais trop à l'affût. Même au niveau des routes et de la conduite là-bas, c'est totalement différent de ce que j'ai l'habitude. Avec les sauts de moutons, quand il y avait un saut de mouton, à chaque fois on criait hey! Non, je demandais s'il y avait le GPS. RG Maguine Original.